Je voulais te dire ce matin que Dieu n'encourage pas la paresse. Celui qui est paresseux ne peut pas être béni de Dieu. Si tu regardes toutes les personnes que Dieu a bénies, tu vas voir que chaque fois, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il bénit toujours ceux qui sont travailleurs. Dieu n'encourage pas la paresse. Je sais que souvent, tu te caches derrière la prière, tu te caches derrière justement les rencontres de l'église pour ne pas travailler. Arrête cela sincèrement. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être à l'église, pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps de communion fraternelle, mais il y a également un temps où tu dois travailler. Il y a un temps où tu dois te donner de la discipline pour pouvoir travailler, pour pouvoir mettre à profit les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Alors ne crois pas que le simple fait de prier, le simple fait d'aller à l'église va te rendre riche ou va permettre à Dieu, va laisser Dieu déverser sur toi ta vie. Tu as déjà la grâce de Dieu. Le Seigneur t'a déjà béni. Maintenant, il faut que tes mains puissent travailler. Il faut que Dieu veut faire prospérer l'œuvre de tes mains. Alors sors et travaille comme un vaillant héros. Utilise la sagesse que Dieu te donne, la créativité que Dieu te donne pour pouvoir générer des revenus qui seront une source de bénédiction, non seulement pour toi, mais également pour ta famille, pour les gens qui te connaissent. Sois une source de bénédiction. Ça, c'était mon encouragement pour toi ce matin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce que je parle régulièrement sur cette chaîne de sagesse financière selon ce que le Seigneur met à mon cœur. Je le partage et je partage aussi de manière hebdomadaire mes meilleurs conseils sur la sagesse financière, les meilleures astuces que le Seigneur m'a donné. Je le partage sur une newsletter. Si tu es intéressé, va en lien de description et abonne-toi à cette newsletter. Moi, je te dis à très bientôt par la grâce de Dieu.